half of a sin. When we know very well, baby, get it. Rico, got that fire, got that fire. Voilà, comment vous allez? J'espère que vous allez mieux. Aujourd'hui, je vous parle de quoi? Je vous parle de l'attraction. Voilà, on parle d'attraction, attraction, attraction. C'est quoi? C'est quoi l'attraction en fait? Voilà, pour comment ça fonctionne? Comment est-ce que ça se passe et puis la femme est attirée par toi en fait? Pourquoi est-ce que la femme est attirée par toi? Bro, il faut que tu comprennes que l'attraction qu'une femme a pour un homme là, c'est pas comme si elle choisit. Elle choisit pas de dire non, je suis attiré par Yannick et je ne suis pas attiré par Stéphane. Elle ne choisit pas en fait. C'est instinctif. Elle est programmée biologiquement à être attirée par un certain type d'homme, à être attirée par des personnes. Et il faut que tu comprennes que c'est bon. Tu peux être beau. Tu peux être beau, ça attire les femmes. Mais le truc qui attire le plus les femmes, ce qui attire le plus les femmes, c'est ton attitude en fait. Ce qui attire le plus les femmes, c'est ton attitude. Le physique, c'est bon, ça attrayant, tu vois un peu. Mais ce qui attire vraiment les femmes, c'est ton attitude. Voilà, sinon les vilains garçons étaient morts. Tu comprends un peu? Parce que ceux qui misent beaucoup dans cette histoire de game-là, les personnes qui misent beaucoup sur l'apparence, c'est les femmes. Nous, les hommes, là, on a d'autres trucs qui attirent. On a d'autres trucs qui attirent. Il y a notre attitude, premièrement. Voilà, notre attitude attire beaucoup les femmes. À cause de ça, tu peux voir une go qui est belle. Elle est avec un gars, il n'est pas trop ça. Tu peux pas comprendre. Tu peux pas comprendre. Tu sais pas ce qui dégage. Pourquoi est-ce que les femmes sont attirées par les mecs en fait? On peut dire des bandits, les mecs de cité, tout ce genre de trucs, les bad boys, ceux qu'on définit comme bad boys. Pourquoi en fait? C'est biologique. Elle fait pas exprès. Bro, elle fait pas exprès. Si tu lui demandes souvent, même elle va te dire, il sait même pas qu'est-ce qu'elle vu sur ce bâtard là. Elle va te sortir ça. Elle sait pas. C'est ça. Son instinct, sa nature l'attire vers ça. Pourquoi? Parce que ce genre de personnes, les bad boys, c'est les gens qui ne vont jamais la mettre sur un piédestal. Et ce comportement de ne pas la mettre sur un piédestal là, qu'est-ce que ça dégage? Qu'est-ce que ça donne comme communication non-verbale à la femme? Ça lui fait comprendre que ce gars-là, il est fort. C'est comme si tu étais en train de dégager la force en vérité, la force. C'est ça. Elles sont biologiquement attirées par ça. Tu n'as jamais vu, peut-être dans un film comme ça, un gars se bat avec le plus fort de l'école et puis automatiquement les gros commencent à être fond de lui. Pourquoi? Parce qu'il a montré de la force. Il a montré de la sécurité. Il a montré qu'il peut protéger. Tu vois un peu, elle fait pas exprès. Automatiquement, elle commence à être attirée par ça. Sa nature l'appelle vers ça. Elle est attirée. Elle fait pas exprès. C'est pas comme... C'est comme un aimant. Elle peut pas s'en empêcher. Elle peut pas s'en empêcher. Voilà. Donc, être sûr de toi et puis ne pas mettre les femmes sur un piédestal, c'est un comportement attrayant. Pourquoi est-ce que je vous dis de contrôler votre attention vis-à-vis des femmes, votre attention vis-à-vis des femmes? Pourquoi est-ce que je vous dis de contrôler ça? Parce que quand tu contrôles ton attention vis-à-vis des femmes et puis tu la regardes pas, elle est là, tu t'en fous d'elle, tu fais comme si elle n'existe pas. Qu'est-ce que ça lui communique? Ça lui communique que tu as des options. Ça lui communique que c'est ça la présélection. Ça lui communique que elle n'a pas besoin de te voir les femmes. Ça lui communique que tu as des options. Ça lui communique que elle n'est pas fameuse. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous avez dit? Ce que la femme ne peut pas avoir, c'est ce qu'elle veut. Attraction. Ça crée l'attraction. Ton attention, le contrôle sur ton attention crée l'attraction. Le contrôle sur ton attention fait qu'elle va se battre en fait pour avoir ton attention. Il faut comprendre que quand tu contrôles ton attention, tu es un challenge pour les femmes. Ça en fait beaucoup. Quand tu fais moins d'efforts, c'est comme si... Quand tu fais moins d'efforts, automatiquement tu te démarques de tous les bêtas qui sont dans la zone. Parce que eux tous, ils sont programmés pour courir derrière elles. Bon, eux tous, ils sont programmés pour courir derrière elles. Déprogramme-toi de ça.
Voilà, tu es différent. Les 99% sont des bêtas. Les 99% ne comprennent pas le principe de l'attention non sexuelle et l'attention sexuelle. Les 99% ne comprennent pas ça. Toi, tu comprends ça, donc tu es différent à ses yeux. Sa nature l'appelle vers toi. Sa nature la ramène vers toi. Elle pull back, tu pull back aussi. Elle revient. C'est un jeu d'enfant. C'est un jeu d'enfant, frérot. L'attraction, c'est trop intéressant. C'est trop intéressant. Ça communique la force, frère. Ça communique la force. Comprenez que je vous explique toujours un principe que vous, les gens n'arrivent pas à se mettre en tête. Ils comprennent pas encore bien, en fait. Frère, il faut être le total opposé de la femme. C'est ça. Comprends ça. Il faut être le total opposé de la femme. Parce que quand la femme te voit, elle voit un homme fort, un homme robuste, un homme qui a des émotions, qui contrôle ses émotions. Il est fort émotionnellement, il est fort mentalement, il a la résilience mentale. Ça l'attire. C'est de la même manière qu'elle voit une go qui est douce, qui est une go qui s'attire. Mais quand elle voit une go qui a une énergie masculine, qui se comporte comme un garçon, elle parle comme un garçon, elle m'appelle beau, elle m'appelle comme ça, automatiquement ça me repousse. Automatiquement ma nature n'est pas attirée par ça. Automatiquement, il a friend zone. Parce que ma nature n'est pas attirée par ce genre de personnes. Ma nature est attirée par mon total opposé. Tu comprends un peu? Ma nature est attirée par mon total opposé. J'aime les femmes timides, les femmes douces. Elle est timide avec tout le monde, mais avec moi, elle n'est pas timide en fait. J'aime ça. Ma nature m'appelle, m'attire vers ça. Je ne fais pas exprès. Quand il voit un gros qui passe, il ne fait pas exprès de regarder, bro. Je ne fais pas exprès de regarder. Ça m'attire pour de vrai. Je suis programmé pour ça, c'est instinctif en moi aussi. C'est de la même manière que la femme est attirée par le bad boy aussi, le gars qui a des options, c'est instinctif en elle. C'est instinctif en elle. Pour ça, il dit, tu n'as pas besoin d'écouter ce qu'elle te dit. Elle peut te dire que j'aime les gars qui sont super doux, super présents. Elle n'a pas conscience de ce qu'elle est en train de te dire. Elle n'a pas conscience de ce qu'elle est en train de te dire. Toi, faut comprendre que si tu comprends que la femme ne sait pas ce qu'il a dit elle-même, tu as tout gagné. Quand tu comprends que la femme ne sait pas elle-même par quoi elle est attirée, tu as tout gagné. Parce que tu ne vas plus écouter ce qu'elle te dit, tu vas agir selon ce qui est. Et quand tu vas agir selon ce qui est, tu vas voir que elle-même ce qu'elle dit dans son comportement, elle fait le contraire. Tu lui demandes même pourquoi tu n'as pas dit tu n'aimes pas ça. Elle va dire, oh, faut me laisser. Elle ne sait pas pourquoi. Elle ne sait pas pourquoi elle t'aime tant. Elle sait pas pourquoi elle t'aime tant. Mes ex savent pas pourquoi elles aiment autant ce bâtard de Dave. Non, c'est parce que le bâtard de Dave, tu n'as jamais le contrôlé. Tu n'as jamais contrôlé Dave. De la même manière, ils ne vont jamais te contrôler, frérot. C'est ça. Parce que quand elle n'arrive pas à te contrôler, c'est toi qui les contrôles. C'est toi qui les contrôles. C'est toi qui les fais. Tu leur donnes la route. C'est toi qui leur donnes les directives. Et elles aiment ça. Tu les traites comme des enfants. N'importe quel âge. N'importe quelle région de la terre, en fait, la nature féminine est universelle. Pourquoi est-ce que les gens qui sont en Haïti, pourquoi est-ce que les gens qui sont en Guadeloupe ont des résultats quand ils font ça? Parce que la nature féminine est universelle. De la même manière, la nature masculine est universelle. On est tous portés vers des objectifs. Quel que soit l'endroit où tu es, les hommes sont orientés vers leurs objectifs. Les hommes sont orientés vers leurs buts. La nature masculine aussi est universelle. De la même manière, la nature humaine est universelle. Voilà, donc c'est ça, comprenez le phénomène en fait de l'attraction. Comprenez ça les gars, comprenez ça. Si tu as compris ça, tu as tout gagné. Les goûts là ne savent pas ce qu'elles te disent, bro. Les goûts, elles ne savent pas ce qu'elles te disent. Toi, il faut appliquer sur moi. Si ça ne marche pas, reviens vers mon bédi. Ça marche. Allez, on est ensemble les gars. On est ensemble, on va l'eau. Ah, vivons l'eau.